Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de Roosted Cave. Après tant de temps à pas avoir joué à Roosted Cave, ça va faire pratiquement 3 semaines, voire 4 semaines que j'ai pas joué à Roosted Cave, et je dois avouer que ça m'a un peu manqué, donc du coup là je suis plutôt content de reprendre. Je vais juste régler un petit truc avant. Onigiri, pour cette série on va l'enlever, hein. C'est pas obligatoire à chaque série le Onigiri. Donc du coup on avait une épée Sharpness 3, Smite 1, Looting 2, Unbreaking 2, c'est pas trop mal, on avait de quoi se régène, on avait de quoi se heal, on a de quoi manger. Donc du coup il nous manquait plus que la pink, la light gray, la cyan. Bon bah du coup on va avancer dans les salles et puis on va voir où est-ce qu'on en était. Parce que du coup, je m'en souviens plus trop. Donc ça, oui, je m'en souviens. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Allez, on est parti pour un petit tour en manège. C'est la première des maps aventures que je fais entièrement comme ça. D'habitude je les fais pas entièrement, mais là j'ai vraiment envie de la faire entièrement parce que celle-ci me plaît énormément. Donc du coup, enfin cette map, j'aimerais bien savoir à la fin ce qu'il y a quand même. Et voilà, tout simplement. J'aimerais bien la finir. Alors, on va poser des blocs parce que là on en a un peu beaucoup sur nous. On va poser un peu du stuff parce qu'on en a un peu beaucoup aussi. De la nourriture, on va en poser aussi. Du feu, on va en poser. On a encore des armures, c'est bon. Ouais. Bon, bah du coup là on est à 26 d'or. 26 stores plus 17 patates. Ouais, niveau nourriture, on devrait être plutôt bon. On va quand même prendre une potion de speed au cas où si on en aurait besoin. Donc là, c'était par là. Ensuite, pour accéder à la prochaine, enfin la suivante, à la salle suivante, je m'en souviens. Merci, monsieur. Je m'en vais. Excusez-moi. Bon, j'ai gardé quelques blocs sur moi. Bon, ça va, j'ai pris le minimum qu'il me fallait. Donc, on n'est pas parti non plus en mode YOLO, hein. Donc, on sait très bien où on va. Et déjà l'épisode 16, hein, franchement, j'étais choqué en me disant que c'était déjà l'épisode 16 parce que c'est passé à une vitesse folle. Ces épisodes-là sont quand même assez rapides, etc. Donc voilà, c'est des épisodes de 15 minutes. On a déjà quand même pas mal avancé dans la map aussi. Faut pas se mentir, mais bon. Voilà. Donc du coup, cette salle-là, je sais plus si on l'a faite. Cette salle-là, on va prendre un peu de charbon. Ça ne peut que nous faire du bien. Oui, celle-ci, on l'avait faite, je m'en souviens. Je m'en souviens, je m'en souviens. Alors, donc celle-ci, on va pouvoir la reboucher. Voilà. Et maintenant, il n'y avait que celle-ci, en fait, qu'on n'avait pas encore faite, il me semble. Et qui était assez compliquée quand même à faire. Du coup, ici on a encore du fer. Bon, on va pas récupérer tout le fer pour l'instant. J'aimerais juste. Non, celle-ci on l'avait faite aussi. Je vais aller voir s'il y a autre chose dans cette salle parce que du coup j'ai pas très bien regardé et j'ai peur d'avoir loupé la pink ici en fait. Et si j'ai loupé la pink.
peut être embêtant. Parce que du coup, pour le reste de la map, ça peut complètement nous bloquer. Et ça m'étonnerait pas en plus que j'en ai loupé une. Parce que du coup, il aurait pu la cacher sur ce coup-là. Hop, des petites torches. Petites torches. Voilà. J'avais même pas cassé tous les spawners en plus. Ouais, à partir d'ici, ça devenait un minimum chaud quand même. Alors, donc du coup, on va se mettre là vite fait. On va regarder vite fait s'il y a... ici, c'était là la graille. Hein, la graille. Voilà, du coup. Ouais, ça m'intéresserait d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Honnêtement, ça peut être très intéressant. Donc, du coup, je vais aller voir vite fait. Ça ne coûte absolument rien. Il va juste falloir que je mange ou me régène un peu. Oh non, 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 je suis mort. Oh fuck, 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 fuck. Bon, c'est pas très grave. On va juste essayer d'aller rechercher notre stuff. Et essayer d'éclairer un maximum. Prendre des patates surtout. Les patates, c'est la vie, les amis. Voilà. On a des patates. Alors ouais, donc du coup après il y avait une salle en glace, je m'en souviens de cette salle en glace, elle m'avait bien bien embêté, je me souviens même pas si j'ai eu la laine ou pas, sûrement ça, la laine pink, il y a de fortes chances que ça soit ça, la laine pink. Alors. Du coup. Mais je sais pas du tout par. Enfin, je sais pas du tout si j'en ai loupé une là-bas ou pas, etc. Bon, maintenant il y a mon stuff, donc du coup, va falloir que j'y retourne dans tous les cas. Mais, du coup. Ça m'embête d'avoir perdu mon stuff là-bas parce que du coup je suis pas sûr de ce que j'ai essayé de faire et j'aurais dû être sûr. On va éviter la witch, s'il vous plaît. Ok. Donc là pour l'instant la witch easy. Pour l'instant c'est easy. En passant sur le côté. Toujours un petit peu plus simple en passant sur le côté. Et allez, on a notre stuff. Ok. Donc du coup, alors on va pouvoir prendre l'arc. On va remplacer l'épée au cas où. On va prendre des blocs on en a, tac tac tac. Du coup cette épée elle est bien. Parce que du coup elle tue en deux coups. Et moi j'aime bien ce genre d'épée qui tue en deux coups. Alors, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-haut. Peut-être un peu trop curieux, mais c'est obligé, il y a un truc. C'est obligé, je vois pas pourquoi il y aura rien. Donc du coup là, on voit de... What? Je t'ai vu, mon copain. Je t'ai vu, donc là on voit de là-bas de où on vient, donc du coup
Y a rien par là. Et par là, il me semble qu'il y a rien aussi. Par des misérables squelettes. Moi, je vois rien. Donc, apparemment, je n'aurais rien loupé. Ben non, j'ai rien loupé. Donc, du coup, là, s'il y a une chest là-bas, ça va être compliqué d'y accéder. Dommage qu'il n'y a pas les grenades dans Minecraft. Comment on pourrait faire? Le principal, c'est les creepers. Ok. Waza, invasion de creepers à la source. Wow. Alors, on va se régénérer 2 secondes, on va essayer d'aller chercher ce chest. Au moins, on l'aura et puis voilà. Mais comment je vais faire? Faut bien que je réfléchisse parce que là, du coup, ouais, je vais passer par au-dessus. Je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Hop. Une torche, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac. En fait, il reste pas mal de spawners dans cette salle. Alors, donc du coup, on va essayer d'y accéder tranquillement. Mais sûrement. Ok. Donc du coup déjà, eux c'est en moins. Voilà. Ok, il nous reste une flèche. Ok, on va. Tant pis. On va devoir faire comme ça. Sauf que oui, voilà. C'est ça ma plus grosse crainte. C'est le fait qu'il y ait un fucking squelette. Bon, d'ici, je pense pas qu'il puisse m'avoir. Ok, donc là ils sont tous mad contre moi. Ce que j'ai fait, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Ouais, s'il faudrait que je les ramène en fait. Tous vers les cactus. Allez. Allez, on y va. Pendant ce temps-là, je m'en fous, moi je régène.
Allez. Parce qu'en plus là c'est une bonne solution parce qu'il garde l'aggro, il... Ouais. On vient de faire une X-Mob. Les amis. Allez, tant pis, on rush. Allez, tac, 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 tac. Wow. On commence à souffrir légèrement et là c'est mort. Fuck, 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 fuck. TNT, tant pis. On va tout péter, les amis. C'est le moment de tout péter. Non, ben non, ça sera pour le prochain épisode, les amis. Donc, du coup, on se retrouve pour le prochain épisode, les amis. Allez, ciao, bye bye.